alors je crois que ça va bien se passer à Motor Live. Les garçons Eric et Mehdi, je pense qu'ils commencent à me faire confiance parce que après mon premier essai, c'était un scooter. Là, ils m'ont filé une vraie grosse moto, une grosse moto qui dépote. Et ben voilà, ça monte en puissance et ça me plaît. Eh hey Philippe, il va falloir te calmer un peu, hein. Car chez Triumph, il n'y a pas moins de 4 Street Triple au catalogue. Dans l'ordre décroissant, c'est la 765 RS, la R, la S et une 660 SA2. Et c'est celle-là que tu as. Elle a certes beaucoup de choses de ses grandes sœurs, le look, la finition, le potentiel, mais elle est bridée pour les débutants. Pourquoi ils t'ont donné ça? T'es pas un débutant? Ah bah non, en fait, j'ai 30 ans de permis, donc moto de débutant, bah, je vois que le bizutage continue en fait. Mais en même temps, c'est bien parce que ça me rappelle un peu quand j'étais moi-même jeune motard. Et j'avais un truc, alors c'était une 750 japonaise, je peux pas vous dire ce que c'était par pudeur, mais c'était une putain de merguez, ça tenait pas la route. Tu voulais prendre une trage, tu finissais 2 mètres à côté, sur les bosses c'était le salaire de la peur. Est-ce que j'aurais aimé débuter moi sur une Triumph Street Triple A2? Mais carrément, j'aurais même vendu ma propre sœur à un proxénète nigérian. Désolé, un Nat, c'est pour la cause. Mais cette moto, elle est assez incroyable pour les débutants parce qu'en fait, on a le sentiment d'être sur une grosse moto. Alors grosse, pas si grosse que ça, parce que malgré tout, moi je connais des filles par exemple d'1m65 qui roulent en Street Triple et qui font ça, ça se passe très bien au niveau de l'ergonomie. Moi je suis plus grand, 1m88. Bah en fait, je suis bien installé, la position, bah c'est assez naturel, un peu sportive, guidon un petit peu sur l'avant, mais rien qui casse les poignets. Moto assez fine, hein, on fait bien corps avec la machine, on arrive bien à serrer le réservoir, à bouger un peu sur la selle en virage ou à se décaler vers l'arrière à l'accélération. Et puis aussi, il y a un point extrêmement important, c'est le moteur. Les esprits avisés disent souvent que le 3 cylindres, c'est la meilleure synthèse entre le caractère et la sonorité d'un 10 cylindres et puis la souplesse et la rondeur d'un 4 cylindres. Mais ici, carrément, la moto, certes, elle est bridée, mais on a quand même 60 Nm de couple. Et c'est un moteur qui a du caractère, hein. Dès les plus bas régimes, quand on est en bas comme ça, qu'on ouvre les gaz, tenez, je vais le faire, on sent qu'on rentre dans ce que j'appelle le grade de la courbe de coupe, il se passe un truc. Bah, écoutez ça. C'est bon ça, voilà, c'est bon, on sent le bruit là qui monte en puissance. Et la machine qui part tout de suite dans ce sifflement, ce ronronnement typique des trois cylindres. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. On note qu'il te plaît ce moteur. Il possède aussi 2 cartographies, une pour la route et une pour la pluie, mais là franchement, ça réduit vraiment beaucoup la puissance et la réponse à l'accélérateur est plutôt molle. Et puis dans 2 ans, tu pourras passer chez le concessionnaire et faire une petite modification sur une cale à la poignée de gaz et une cartographie moteur pour une petite centaine d'euros et ainsi récupérer ta Street Triple S en 95 chevaux. Mais d'ici là, faudra se contenter de la version bridée. Alors franchement, le bridage, bah, ça fait plusieurs jours que je roule avec cette machine, notamment pour aller au bureau de Motor Live. Bah, au quotidien, on ne le sent pas vraiment parce que, encore une fois, c'est un moteur très souple. Alors on arrive à rouler, en sixième à 2500 tours à 50 à l'heure hein, dans les boulevards et à échapper au radar automatique. Et puis jusqu'à 6000, ça se comporte comme une Street Triple normale. Ça monte jusqu'à 8. En sixième, sur l'autoroute allemande, ça vous donnera un bon 170 compteurs. En fait, c'est une moto... Ben voilà, vous regardez en virage, ben elle y va, vous poussez un peu sur le guidon pour rattraper une trajectoire, on ne sent pas du tout le poids, c'est super précis, c'est précis comme un contrôleur fiscal, j'ai envie de dire. On fait corps avec la machine, et ce qui est bien, c'est que les débutants vont découvrir une moto avec laquelle ils vont pouvoir apprendre leur gamme. Et je dirais, ben voilà, monter en compétence tranquillement, pour moi, c'est un des roadsters les plus pertinents, les plus jouissifs à rouler. Et quand on sait un peu rouler, bah la street, c'est carrément la moto, vous avez l'impression que vous êtes devenu bon, c'est-à-dire que tout est facile, tout est précis, pour rentrer dans les virages de manière un peu optimiste, tout se rattrape. Et ça, c'est vraiment sympa. Alors il y a un point que j'aurais peut-être amélioré, moi c'est le freinage, évidemment elle freine, hein, il y a moyen, là je vais prendre les freins, paf, oulala, j'avais beau être prévenu et m'y attendre, bah, il y a moyen de se claquer les balls dans le réservoir. Néanmoins, quand vous aurez tout le potentiel de la moto, avec le moteur 95 chevaux, on a un roadster sportif avec de la personnalité, avec des compétences, et bah, on aurait aimé un freinage un petit peu plus mordant, parce que l'air de rien, cette machine elle peut tartiner. Et voilà, le freinage mordant, mais pour ça, il faut passer non pas sur une Street S, mais sur une Street R ou une RS, qui, elle, a les gros freins Brembo et les étriers à 4 pistons. Voilà, merci de nous avoir suivis sur Motor Live. Je vous fais un bisou sur le casque et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.
elle est belle, elle est bien finie, elle est racée, et si l'on en croit Philippe qui est tombé sous le charme, au point de vendre sa sœur, elle est vraiment sympa cette Street Triple SA2. Et en plus, elle n'est pas mal placée pour qui veut un roadster qu'il pourra débrider à 95 chevaux dans 2 ans. À 8 700 €, elle se tient bien face à une Kawasaki Z901-2 à 9 099 €, une KTM 790 Duke L qui est affichée à 9 490 €, et encore plus face à une Ducati Monster 821, carrément à 11 450 €. À la limite, seule une Aprilia Shiver 900A2 est plus compétitive à 8 499 €. Elle a aussi un moteur très sympa, mais sera un peu moins efficace en comportement dynamique.